retrouvons aujourd'hui le premier webinar présenté par Valentin de l'équipe WeLocArt qui répond en direct à vos questions. Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur notre premier webinar en présence de l'équipe de WeLocArt. Je vous prie de nous excuser pour le petit retard qu'on a eu suite à quelques incidents techniques. C'est notre premier webinar, c'est un début pour nous. En tout cas, nous sommes ravis d'être ici en présence avec vous et de pouvoir aussi chatter avec vous en direct. Donc, vous avez été plus de 360 participants à être inscrits sur LinkedIn. On en est ravis. Et donc, au nom de toute l'équipe de WeLocArt, j'ai vraiment le plaisir de vous présenter aujourd'hui la thématique de ce jour, qui est la place de l'art dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Donc, je tiens aussi à remercier l'équipe de Web Radio Edition qui nous permet aujourd'hui de réaliser ce webinaire en direct avec de superbes moyens techniques. On va commencer par un petit tour de table pour que je vous présente mes collaborateurs de WeLocArt. Donc, je vous présente dans un premier temps John, qui est le fondateur de WeLocArt. Bonjour John. Bonjour. Je vous présente Vanessa, qui est en charge des relations accueillantes. Bonjour Vanessa. Bonjour. Et enfin, je vous présente Hamza. Bonjour Hamza. Bonjour. Donc, qui est en charge des relations artistes et qui aujourd'hui va recueillir les questions que vous allez nous poser sur les différents supports, que ce soit en live tweet, sur le chat de YouTube et également de Facebook. Donc, je vais vous parler un petit peu de chiffres concernant WeLocArt. Donc, sa création est très récente puisque WeLocArt, c'est un projet qui date du mois de septembre. Donc, depuis le mois de septembre, dans nos données analytiques, nous avons eu plus de 4888 utilisateurs, 6235 sessions et 14 000 pages vues. Voilà. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que WeLocArt? John, je te laisse la parole pour nous parler un petit peu de WeLocArt. Merci Valentin pour la représentation des statistiques prometteuses de WeLocArt. Cependant, pour celles et ceux qui ne connaissent pas WeLocArt, qu'est-ce que WeLocArt? WeLocArt est une plateforme de mise en relation entre des artistes et des accueillants. Qui sont les artistes? Qui sont les accueillants? Les artistes, ce sont des peintres, des photographes, des sculpteurs, mais ça peut être aussi des écrivains. Et ils souhaitent obtenir une nouvelle visibilité. Les accueillants, ce sont des hôtels, des restaurants, des galeries, des collectivités, ou voire même des particuliers. Que souhaitent-ils? Ils souhaitent organiser des événements et ou des expositions au sein de leurs espaces. Le but étant de rapprocher ces demandes, les artistes et les accueillants. La plateforme WeLocArt est totalement gratuite, ça c'est important de le dire, et offre des fonctionnalités comme la possibilité de pouvoir chatter directement entre les artistes et surtout les dirigeants des structures d'accueil. Elle offre la possibilité de créer des événements et on pourra les pousser sur les réseaux sociaux. Derrière, avec un partenaire, nous avons 80 000 abonnés sur les réseaux sociaux et 90 000 contacts, emailing et SMS. Voilà Valentin, en résumé, l'aperçu synthétique de WeLocArt, qui va encore évoluer. Je te remercie John pour cette synthèse. Je pense qu'aujourd'hui, nos auditeurs sont principalement des accueillants, dont des hôteliers qui souhaitent peut-être en savoir un petit peu plus sur les avantages que WeLocArt va apporter aux accueillants, aux hôteliers, aux restaurateurs. Donc, je laisse la parole à Vanessa, qui est en charge des relations accueillants et qui va vous parler un petit peu des avantages de WeLocArt pour vous, accueillants, hôteliers, restaurateurs. Merci Valentin. Nous sommes tous conscients que la situation actuelle est compliquée. Nous vous proposons de réfléchir à demain. Comment relancer votre établissement? Concrètement, voici les avantages pour vous, les accueillants. C'est de chercher et contacter des artistes autour de vous grâce à la map, d'animer votre établissement avec de la nouveauté, de rendre votre établissement attractif, d'atteindre de nouveaux clients grâce à nos réseaux sociaux, de promouvoir un artiste et de lui permettre de vendre son art. Excusez-moi. Notre but est de créer une fluidité d'information entre les artistes et les accueillants. N'oubliez pas, l'inscription est gratuite sur la plateforme. Profitons de cette période calme pour envisager l'avenir. Mais notre plateforme offre aussi les avantages aux artistes. Merci Vanessa. Donc maintenant, Vanessa nous a expliqué les avantages des accueillants. Je vais maintenant m'adresser à vous, les artistes, et vous parler aussi un peu des avantages qui vous concernent et pourquoi vous inscrire sur WeLocArt. Donc, je vais reprendre une citation de Jean-Louis, qui est un de nos artistes qui s'est inscrit sur WeLocArt. Nous avons aujourd'hui, les artistes, du mal à prendre des contacts. WeLocArt va me faciliter la tâche. Donc, WeLocArt, c'est un facilitateur et un accélérateur de mise en relation. Il donne aussi une visibilité. WeLocArt permet aussi de contacter directement les dirigeants d'établissements sans passer par les intermédiaires qui filtrent les tentatives de contact. WeLocArt permet une ouverture sur les réseaux sociaux qui exploitent peu les artistes. Voilà. La plateforme va permettre aussi de donner un suivi aux artistes. Et WeLocArt permet de mettre en ligne une galerie de photos de vos œuvres. Grâce à WeLocArt, nous avons appris qu'une vente d'œuvres s'est effectuée par notre intermédiaire, ce qui nous rend très optimistes pour la suite. Donc, en effet, en prononçant le mot avenir, on peut se poser la question aujourd'hui, avec le contexte actuel, mais pourquoi s'inscrire, que vous soyez accueillant ou artiste, pourquoi s'inscrire sur WeLocArt? John va nous dire pourquoi s'inscrire aujourd'hui sur WeLocArt. Effectivement, Valentin. Pourquoi s'inscrire aujourd'hui à WeLocArt? Pourquoi réfléchir aujourd'hui? Ou tout simplement, pourquoi anticiper? Ce qui est la vraie problématique de tout entrepreneur et de tout artiste. Nous devons anticiper la sortie de la crise actuelle. Toute crise est une rupture en alliant les problématiques. Il faut savoir qu'il faut anticiper pour retrouver plus sereinement son équilibre. C'est le projet de WeLocArt qui permet d'avoir un élément de cet équilibre en alliant l'art et les accueillants, dont les hôteliers. D'un côté, les artistes peuvent contacter les accueillants pour prévoir des rencontres et des événements. D'un autre côté, les accueillants seront différenciants sur le marché. Une différence, certes, mais avec une valeur ajoutée artistique. Par ailleurs, nous sommes continuellement à l'écoute de nos utilisateurs et l'on peut vous annoncer de futures évolutions comme une galerie en ligne ou la virtualisation des œuvres d'art. Chez WeLocArt, nous mettons en avant une citation de Sénèque dans Lettre à Lucilius. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'il ne faut rien faire, mais c'est parce qu'on ne fait rien qu'elles sont difficiles. Je te remercie, John, pour cette belle citation. On en aura une autre, par ailleurs, de notre invité du jour que je vous présente aujourd'hui, qui est Adrien Majeranowski, attaché de direction au prestigieux hôtel Negresco à Nice. Adrien ne pouvait pas être présent en direct pour des raisons personnelles puisqu'il avait un trajet à faire. Il doit être en route actuellement dans sa voiture. Mais en tout cas, j'ai eu le plaisir de le rencontrer samedi dernier à Nice où j'ai pu lui poser quelques questions, lui présenter WeLocArt et de pouvoir avoir son retour sur notre plateforme et aussi l'interroger sur l'avenir, sur le contexte, ce qui se passe en ce moment. Voilà, je vous laisse visionner cette interview que j'ai réalisée samedi dernier. Je suis Adrien Majeranowski, je suis l'attaché de direction de l'hôtel Negresco ici, en charge également de tout ce qui est relations clientèle, l'accueil de la clientèle VIP, mais également aussi la prise en charge des doléances clients. Mais ce qui m'importe le plus, c'est surtout d'avoir une part de clientèle fidèle, une fidélisation de nos hôtes et d'apporter une expérience, une véritable expérience Negresco pour une clientèle internationale. L'art au Negresco, j'ai envie de dire, ce n'est pas deux choses distinctes. J'ai presque envie de dire que l'art et le Negresco ne font qu'une seule chose, étant donné que l'entité elle-même, la façade de l'établissement, est déjà, je dirais, une œuvre d'art, étant donné que la façade est classée par les monuments historiques. Le bâtiment a une histoire, mais également cette histoire liée à l'art est liée aux différents propriétaires qui ont parcouru l'hôtel durant les 107 dernières années. L'hôtel a ouvert ses portes en 1913 et la dernière propriétaire a été passionnée par l'art. Donc, nous avons la chance d'être les héritiers de sa grande collection qui s'élève à 6000 œuvres d'art, des antiquités du XVIIe, XVIIIe siècle, mais aussi de l'art contemporain, avec beaucoup d'artistes de renom. Donc la place de l'art, nous la côtoyons en tant qu'employés, mais surtout ce sont nos hôtes, nos clients. C'est un argument commercial qui l'expérimente à chacun des séjours. L'art se retrouve également... j'ai envie de dire, sur les assiettes du restaurant gastronomique, le Chanteclerc, dirigé par Virginie Baslo, notre chef exécutif, mais aussi dans chacune des chambres qui a une personnalité liée à une thématique, soit historique, soit de création, étant donné que les équipes du Negresco, eh bien, nous avons au sein de nos propres équipes des créateurs qui, conjointement avec la direction générale, va choisir les décors des nouvelles chambres qui seront mises en avant saison après saison. Voilà comment essayer de résumer en quelques instants cet hôtel musée, cet hôtel galerie privée d'œuvres d'art qu'est le Negresco. Absolument, je pense que justement l'art a tout à fait sa place, surtout dans la période dans laquelle nous vivons aujourd'hui, où nous sommes extrêmement dans un monde digitalisé, où nous avons les besoins et nous avons pratiquement l'obligation d'utiliser ce monde en ligne. Mais l'art nous rapporte dans l'hôtellerie française et mondiale, nous rapporte à des valeurs un peu plus terre à terre. L'art nous évoque des artistes, nous évoque des sentiments, et lorsque un client se rend dans un hôtel qui est justement avec une pointe artistique, voire historique, eh bien, c'est une émotion supplémentaire, en plus d'avoir une décoration peut-être exceptionnelle, en plus d'avoir des professionnels dévoués pour servir leurs hôtes. Je pense qu'il y a véritablement une séparation, on peut dire ça, entre des hôtels qui ont uniquement la fonction d'être des hôtels, c'est-à-dire y résider pour dormir, manger, payer sa facture et repartir, et puis des hôtels d'art qui racontent une histoire. Alors, la plateforme WeLocArt que vous m'avez présentée, Valentin, est une plateforme que je résumerai de facilitateur, étant donné qu'elle permet de mettre en relation des artistes qui souhaitent exposer et se faire connaître, pour certains plus que cela, dans des lieux et dans les hôtels par exemple. C'est un concept que je ne connaissais pas, je pense que c'est un concept innovant et qui a de l'avenir, et je pense tout simplement que c'est un facilitateur où toutes les parties sont gagnantes. On vit tous depuis quelques semaines une période qui est assez tumultueuse, où le secteur hôtelier, le secteur touristique est largement impacté, et ce pour la deuxième fois de cette année en 2020. Il faut tout simplement, je pense, être très positif et profiter d'une situation de repli pour pouvoir rebondir et mettre à contribution le temps de libre que nous avons pour planifier le futur. Et quand je parle de futur, il y a un dicton, en tout cas, il y a une citation plutôt que j'emporte toujours avec moi depuis mes 18 ans et que j'avais déjà placée au verso de mes cartes de visite à l'époque. C'est une citation de l'économiste américain Peter Drucker qui disait que la meilleure façon de prédire l'avenir et tout simplement de le créer. Une très belle citation de Peter Drucker, donc je tiens à remercier chaleureusement Adrien qui a participé à cette interview. Je ne sais pas si, comme nous, vous avez pu visionner cette vidéo qui était un petit peu saccadée. En tout cas, ne vous inquiétez pas, je la reposterai sur YouTube dès ce soir pour que vous puissiez visionner cette interview de manière plus qualitative. Voilà, donc vraiment merci à Adrien. Et donc cette fois-ci, on va vous présenter un artiste qui s'appelle Stéphane Cœurin. Donc, on va vous le présenter déjà dans un premier temps en vidéo et puis après, il sera en direct avec nous depuis son domicile. Donc, déjà dans un premier temps, on vous laisse visionner la vidéo de Stéphane Cœurin. Stéphane, vous êtes avec nous? Oui, moi je suis avec vous. Vous m'entendez? Oui, oui, bonjour. Bonjour. Stéphane, bienvenue. Je vous laisse peut-être vous présenter votre travail et nous parler un petit peu de ce que vous faites. Ok, ça marche. Alors, je suis Stéphane Cœurin, je suis artiste peintre maintenant depuis 5 ans. Et en fait, j'ai la particularité de travailler sur aluminium et de transformer mes créations sous forme de robes. Donc, vous pouvez voir les images un petit peu au fond derrière vous. Donc, ces robes sont portées par des modèles. Je fais des défilés un petit peu partout dans le monde. Et une fois que ces robes ont été portées lors de défilés, je les transforme en sculptures, comme vous pouvez le voir au milieu de la photo. J'expose particulièrement dans les hôtels, parce que, ayant un profil un peu atypique, j'ai dû trouver des lieux d'exposition qui peut me permettre en fait à la fois d'avoir une audience importante, du trafic, une audience plutôt internationale. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai exposé dans des hôtels. J'ai exposé au Sofitel de Washington, par exemple, ou au Ritz-Carlton de Singapour, enfin voilà, dans plusieurs hôtels dans le monde. Et donc, je trouve effectivement très intéressant de pouvoir lier le monde de l'hôtellerie avec celui de l'art. D'accord, très bien. Merci Stéphane. Donc mes collègues m'ont dit que la vidéo était disponible, donc on va visionner ensemble la vidéo d'un de vos défilés que vous avez réalisé à New York au Sofitel en 2019, ouais, si mes souvenirs sont bons. Tout à fait, en septembre 2019. Très bien. Voilà, très belle vidéo. Moi, je suis très impressionné par ce que vous faites. Donc, j'ai pu constater que vous réalisiez des défilés à New York, à Dubaï. J'espère bientôt qu'on vous verra prochainement en France et notamment à Paris pour pouvoir assister à vos shows. C'est vraiment magnifique. Donc, avant de laisser la parole à d'autres utilisateurs, peut-être une question, Stéphane, pour nous, pour l'équipe de WeLocArt. Oui, John, vous parliez d'exposition virtuelle. Je pense que c'est effectivement intéressant vu les temps que nous vivons aujourd'hui. Du coup, est-ce que vous pouvez d'ores et déjà nous en dire un peu plus? Alors, nous sommes effectivement en train de regarder cela et même de le conceptualiser. Nous avons des réunions pour la semaine prochaine à ce sujet-là avec nos développeurs, puisque finalement, WeLocArt va beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Jamais on n'aurait pensé il y a 15 jours de faire un webinar. Et on est poussé par vous, les artistes, et même les accueillants. Merci de nous pousser, de nous soutenir. Et effectivement, on a l'idée d'aller certainement vers une galerie en ligne avec quelque chose de totalement innovant. et évidemment la virtualisation, voire de la 3D en exposition. Voilà, on est en train de réfléchir comment le faire parce que c'est des moyens et évidemment, il va falloir qu'on sélectionne nos artistes. Mais on reviendra vers vous, vous Stéphane évidemment, mais évidemment tous les artistes qui peuvent nous écouter, on reviendra vers vous à ce sujet. Okay. Merci beaucoup. Voilà, ben en tout cas, merci beaucoup Stéphane pour votre participation et à très bientôt. Okay. Je laisse cette fois-ci la parole à Rudy qui est parmi nous en visio. Donc, j'aimerais le voir. Donc, bonjour Rudy, vous êtes en direct de notre webinaire. Donc, merci déjà dans un premier temps d'y participer. Donc, Rudy, vous êtes collectionneur. Avez-vous une question aujourd'hui pour l'équipe de WeLocArt? Oui, il peut se présenter, Rudy, peut-être. Oui, peut-être aussi. Ah, Rudy, on ne vous entend pas. Votre micro. Ah, vous avez le micro qui est coupé. Ah, c'est bon, on vous entend. Voilà. Oui, bien sûr, je suis collectionneur. Voilà, merci. La première chose, c'est que je suis collectionneur, mais je suis aussi expert en œuvres d'art. Voilà, je travaille dans le milieu de l'art. Je conseille des galeries, des artistes. Je conseille aussi des collectionneurs privés qui sont mes confrères. Et je travaille en fait à l'international avec des artistes internationaux. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui, je vous entends, Rudy. Oui, parfaitement. Oui. Il y a un petit décalage, mais on vous entend. Voilà, donc du coup, je travaille sur des projets aux États-Unis et en Suisse et en France notamment. Et il y a peu de temps, en fait, John m'a contacté. Et cette rencontre a été une rencontre fabuleuse parce que il est plein d'espoir, plein d'énergie et son projet le porte. Et je suis à fond avec lui. Voilà, en fait, WeLocArt, pour moi, ça a été une révélation. En fait, c'est quelque chose que peut-être beaucoup de gens auraient voulu faire, mais vous l'avez fait et ça avance très vite. Et je vous félicite, John. D'ailleurs, John, j'ai une question pour vous. Oui. Je voudrais savoir quand est-ce qu'on bosse ensemble, en fait. Ben, écoutez, Rudy, de toute manière, il y a des choses qui avancent, notamment avec vous. Le webinaire nous a pris beaucoup de temps finalement pour faire cette première, et évidemment il y a eu des projets qui ont été mis un petit peu de côté, mais évidemment on essaie de penser à tout le monde, on essaie de penser aux artistes, on essaie de penser aux accueillants et puis à nous-mêmes aussi, parce que ce n'est pas d'une grande évidence, mais je pense qu'à partir de la semaine prochaine, Rudy, on continuera notre projet et j'espère qu'on aura un webinaire spécifique sur ce projet-là qui serait, je pense, quelque chose vraiment innovant dans le monde artistique et certainement dans le monde de l'hôtellerie. Merci Rudy. Merci Rudy, en tout cas à très bientôt, au plaisir. Merci John pour ta réponse également. Donc cette fois-ci, la parole est à Juliette Guénard, qui est également une artiste que nous avons parmi nous aussi en visio. Bonjour Juliette, vous m'entendez? Bonjour, oui. Bonjour Juliette, merci. Déjà, je vous laisse peut-être quelques mots pour vous présenter, puis par la suite, nous poser votre question que vous avez par rapport à WeLocArt. D'accord. Alors, moi, je fais des peintures de moyen et grand format, donc on en voit là. Hop. À l'huile, à l'acrylique, je fais principalement des portraits et donc des chevaux. Pardon, il y a une mouche sur la caméra. Voilà, sinon, moi, ma carrière a débuté il n'y a pas très longtemps. Je peins notamment à l'huile depuis 2018-2019, donc c'est assez frais. Et moi, ça m'a vraiment intéressé de prendre contact avec vous, justement, sur de nouvelles opportunités, contacter des gens auxquels je n'aurais pas pensé dans un premier lieu, déjà. Parce que ça nous sort soit des petites expositions, des différents marchés, des choses comme ça, ou plutôt tout à fait professionnel avec des galeries. Donc, je trouvais ça vraiment très, très intéressant. Après, moi, je me pose des questions en termes d'organisation et de délai. Est-ce que, voilà, faut contacter... Voilà, il y a quoi comme grands événements peut-être dans l'année pour contacter en amont ces professionnels-là de la restauration et de l'hôtellerie ? Plutôt en termes de planning, est-ce qu'il y a des moments un peu stratégiques où on pourrait organiser ça ensemble? Donc votre question porte sur les événements. Je laisse donc Vanessa répondre à la question de Juliette. Déjà bonjour Juliette, enchantée. Aujourd'hui, donc, comme vous le savez, le contexte est très particulier. Donc, il est vrai qu'il n'y a pas forcément donc de moment pour contacter les établissements. Il ne faut pas hésiter parce que, comme je l'ai dit auparavant, c'est un moment où justement il faut aller de l'avant et réfléchir justement à comment sortir de cette crise. Aujourd'hui, je pense que c'est le meilleur moment donc pour y réfléchir. Maintenant, donc en termes d'organisation, nous en tant que plateforme, on vous met donc en relation avec ces établissements. L'organisation, j'ai envie de vous dire, il faut que vous fassiez confiance à l'établissement. Ils sont tous capables de faire des choses extraordinaires et les hôtels comme les restaurants donc, ont pu déjà donc, nous le prouver. Regardez ce qui a pu être fait avec le Sofitel de New York, avec notre artiste qui nous a été présenté tout à l'heure, Stéphane. Il faut savoir qu'il y a plein de choses comme cela qui peut être réalisée et il faut vraiment ne pas hésiter à poser des questions justement aux établissements et à le faire donc déjà via notre plateforme et ensuite par téléphone. Oui, alors je rebondis Vanessa et je te remercie pour ta réponse où effectivement WeLocArt est là pour mettre en relation et donc après toute collaboration avec établissement, bah, vous êtes libre de le faire avec l'établissement parce que nous on est là pour la mise en relation et après bah, le schéma de collaboration est à définir avec l'établissement et j'ai envie de dire tout est envisageable, ça peut être un vernissage, ça peut être une exposition dans les couloirs de l'établissement, dans les lieux communs, voilà tout est envisageable et nous le but est de vous mettre en relation avec les établissements qui ont envie de participer à cette aventure et d'accueillir des artistes. Voilà. En tout cas, je vous remercie Juliette pour votre question et je vous dis à très bientôt. Merci Juliette. Alors moi, à ce sujet, j'ai Aurélia qui nous pose une question dans le chat live sur YouTube. Elle dit « Bonjour, comment procéder pour exposer mes photos et dessins dans l'hôtel où je travaille ?» Donc, ben, c'est très simple. Moi, je vous conseille de demander donc à votre établissement, si toutefois donc ils sont intéressés par la plateforme, de déjà s'inscrire. Et à la suite, vous inscrivez et vous pourrez donc prendre contact avec votre établissement. De là, si un événement donc se crée entre vous, eh bien vous pourrez l'indiquer dans la plateforme avec l'onglet événements sous votre profil. Suite à cela, on pourra donc le mettre en avant sur nos réseaux sociaux et vous pourrez donc atteindre peut-être des nouveaux clients pour l'établissement pour lequel donc, vous travaillez et des potentiels clients pour acheter votre art. D'où ma deuxième question, pardon, de Jean-François qui s'interroge sur la visibilité et nous demande comment pouvons-nous l'aider à trouver des accueillants dans sa zone géographique. Alors, c'est très simple. Vous allez pouvoir remarquer sur la plateforme WeLocArt, nous avons donc une très jolie carte de la France où vous pouvez donc voir plein de points où justement il y a donc tous les établissements et les artistes qui se situent en France. Vous avez donc sur votre profil votre adresse. Vous regardez donc au niveau donc de votre adresse, vous cliquez dessus et vous allez avoir donc vous pourrez agrandir bien évidemment et vous allez avoir dans votre zone de géolocalisation. Excusez-moi. Les établissements qui seront ou les artistes qui seront autour de vous. Merci Vanessa pour ces réponses. Donc dans nos accueillants, nous avons pu le constater, nous avons des hôtels, des restaurants, mais aussi des collectivités. Et aujourd'hui, donc, nous allons être en visio également avec Virginie Albar, qui est adjointe au maire de Vilaine-sur Seine. Virginie, bonjour. Vous m'entendez ? Vous avez il faut réactiver votre micro. on s'adapte hein, avec ces communications à distance. Voilà, ça y est, je suis là. C'est bon, je vous entends. Merci Virginie. Bonjour. Donc Virginie, vous êtes adjointe au maire de Vilaine-sur-Seine et vous représentez une collectivité et vous êtes également inscrite sur WeLocArt pour représenter la mairie de Vilaine-sur-Seine. Voilà, oui. Je vous laisse peut-être nous dire quelques mots avant de nous poser votre question. Alors, tout d'abord, WeLocArt, je ne connaissais pas. En fait, c'est via les réseaux sociaux que John est venu vers moi parce que j'organisais une exposition pour des artistes dont le thème était post-confinement, enfin le confinement et post-confinement au départ. Donc, cette exposition avait lieu début novembre. Et début novembre, nous avons été reconfinés. Donc, c'était vraiment très, très difficile pour les artistes et même pour nous de proposer une exposition parlant du premier confinement et de la libération pour se retrouver tous confinés à nouveau et annuler cette exposition. Donc, je me suis vraiment refusée à l'annuler. Donc, j'ai cherché d'autres solutions. Et en fait, en cherchant ces solutions, je me suis dirigée vers une exposition virtuelle que j'ai mise en place. On a 6 salles aujourd'hui et nous avons également la plateforme WeLocArt avec laquelle j'aimerais bien développer la possibilité de créer des événements en fait. Voilà. Donc, il faut voir avec John ce qu'on peut faire ensemble par rapport au développement d'événements ou justement d'expositions virtuelles. Ce qui est important pour nous aussi, qui sommes collectivité, c'est important d'avoir aussi un vivier d'artistes disponibles. Alors là, maintenant, avec évidemment la période de Covid, on a beaucoup d'artistes qui souffrent. Hein. La situation est très, 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 très difficile pour les artistes. Donc, ils vont avoir besoin d'être soutenus, d'être vus, qu'on puisse les mettre en avant pour qu'ils puissent aussi en vivre de leur art, donc vendre également. Et j'ai une bonne nouvelle, dans cette galerie virtuelle de 6 salles, nous avons également 2 artistes qui ont vendu 2 toiles récemment. Donc je suis certaine que le virtuel et les applis peuvent vraiment aider à transformer le monde de l'art et le monde de demain, quoi. Voilà, tout à fait. Puis nous travaillons activement sur ce projet et ça fait déjà 2 semaines, hein, John, qu'on est en train de travailler dessus sur cette partie virtualisation. Mais celle-ci, pas dans une salle virtuelle, mais vraiment de faire une exposition virtuelle au sein d'un établissement pour mettre vraiment aussi l'établissement en avant, de manière à ce que l'événement se passe réellement quand même quelque part. Voilà. Donc, avez-vous une question à nous poser avant de laisser la parole à une autre personne ? Là, pour l'instant, j'ai pas de questions précises parce que j'ai beaucoup parlé ces derniers jours avec John, mais effectivement, moi, ma volonté en tant que représentant d'une mairie, d'une collectivité, ce serait également, comme votre plateforme est gratuite, hein, c'est vrai qu'on peut, moi, si je peux apporter aussi mon aide au développement, je serais ravie de pouvoir le faire. Voilà. Donc, c'est moins une question, mais plus une offre de participation. Voilà. Là-dessus, je peux rebondir parce que Virginie, vous êtes la bienvenue. Effectivement, aujourd'hui, on tente d'aller vers les collectivités territoriales, enfin vers des communes. On a des contacts avec d'autres communes, mais je pense que le fait de vous voir inscrite, je pense que ça va permettre à d'autres communes, effectivement, de passer le pas. Parce que il est évident qu'il y a toujours une première personne et donc ce serait formidable si vous-même dans votre réseau vous avez des adjoints ou des maires ou d'autres communes qui veulent s'inscrire, ils sont le bienvenu. Oui, je pense qu'il y en aura d'autres effectivement. Très bien, merci beaucoup John et merci Virginie pour votre témoignage et donc je vous dis certainement à très bientôt dans les bureaux de WeLocArt quand les conditions nous le permettront. Très bien, voilà. Merci. À très bientôt, merci beaucoup en tout cas. Peut-être une autre question en direct que nous avons d'Hamza. Alors oui, nous avons plusieurs auditeurs qui souhaitent connaître le modèle économique de WeLocArt et puis tout ce qui concerne l'assurance. D'accord, oui, effectivement aujourd'hui, WeLocArt est gratuit. Côté logistique, assurance. D'accord, très bien. Voilà. John, je te laisse la parole pour répondre à cette question. Eh bien, aujourd'hui, nous n'avons pas de modèle économique défini. Nous devions éprouver le concept WeLocArt, qui est donc une mise en relation. Aujourd'hui, le concept, je pense qu'il est fortement validé. Aujourd'hui, nous avons donc un site internet qui fonctionne quasiment à 100%. Donc, il y a toujours bon, des petits bugs, mais on corrige. Alors, on le corrige parce que des fois, des personnes ont des Internet Explorer ou autres pas mis à jour depuis des années. Donc, on découvre de drôles de choses avec nos utilisateurs. Et ce qui va se passer par la suite, c'est que nous allons faire des développements. Et en fait, on va peut-être créer ce qu'on appelle des étages, certainement, avec de la gratuité, mais avec des services supplémentaires, comme on vous a dit tout à l'heure, une galerie en ligne, de la virtualisation, du 3D. Il y aura certainement un blog, il y aura une newsletter, enfin, tout ça, ça va venir beaucoup plus vite. Et certainement que le modèle économique, eh bien, écoutez, aujourd'hui, on ne sait pas. Peut-être qu'il y aura de l'abonnement, peut-être il y aura des crédits par rapport à des photos, des crédits par rapport à des chats, ou alors peut-être que tout cela sera gratuit parce que ça sera payé avec un partenariat, avec un assureur ou avec un transporteur. Voilà, peut-être que le fait d'organiser des événements à côté va nous permettre évidemment de pouvoir financer les coûts de ce site-là et que beaucoup de choses seront gratuites. Voilà. Aujourd'hui, on n'a rien prédéfini. D'accord, très bien. Merci beaucoup, John, pour ton témoignage. Nous avons reçu une question en vidéo d'une artiste peintre qui est Victoria Arnaud. Donc, nous écoutons ensemble la question que Victoria nous a envoyée par vidéo. Bonjour, je m'appelle Victoria Arnaud. Je suis artiste peintre. Je voudrais savoir comment la plateforme WeLocArt pourrait m'aider à gagner en visibilité. Voilà, donc comment la plateforme WeLocArt nous permet de gagner en visibilité. Vanessa, je te laisse la parole pour répondre à cette question. Donc, comme vous l'avez bien dit, Valentin et John, nous avons donc des partenaires qui ont plus de 80 000 abonnés. Aujourd'hui, donc, on a vraiment une possibilité donc de vous mettre en avant sur les réseaux sociaux. Comment? Parce que déjà, lorsque vous vous inscrivez, nous faisons un appel de bienvenue. Lors de cet appel de bienvenue, donc nous voyons avec vous, donc si vous avez des réseaux sociaux, comment nous pouvons donc vous mettre en avant sur les réseaux sociaux. Si vous avez donc un visuel ou des photos à vouloir justement mettre en avant, et ensuite, si toutefois vous organisez un événement, alors que ce soit avec un établissement qui est déjà sur la plateforme ou qui n'est pas sur la plateforme, nous pouvons mettre en avant donc les événements et donc du coup c'est comme cela que l'on peut vous mettre en avant. Voilà. D'accord, très bien. Merci, merci Vanessa pour cette réponse. Je vous en prie. J'espère que Victoria, on a répondu à votre question. Je sais que vous nous regardez en direct actuellement. Nous avons une autre question de Franck Bridzi, photographe dans le sud de la France, qui est au téléphone avec nous. Franck, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends parfaitement. Bonjour Franck, donc, comment allez-vous? Oui, très bien, je vous remercie. Félicitations pour ce premier webinaire. Merci beaucoup. Franck, avez-vous une question pour l'équipe de WeLocArt? Oui, j'ai une question. Alors, j'expose actuellement, bon, c'était avant le confinement dans le restaurant d'un ami à Cannes. Et donc, je souhaitais savoir si on pouvait créer ce type d'événement dans les hôtels, se rapprocher d'eux, car souvent ils m'inspirent, ils regorgent d'histoires et je pourrais même m'adapter et traduire leurs histoires dans certaines œuvres. Très bien. Voilà. Donc je suis en train de bâtir un projet autour des histoires de ces établissements-là justement qui ont fait la renommée de la Côte d'Azur, notamment autour des années folles. D'accord, très bien. John, je te laisse la parole pour répondre à la question de Franck. Oui, Franck. C'est justement l'un de nos projets où on veut faire des choses très personnalisées par rapport, évidemment, à chaque artiste et à chaque établissement. On n'appellerait même pas cela une exposition, on appellerait cela une expérience. C'est-à-dire que un artiste, un établissement, c'est une expérience. Et expérience au sens où c'est comme l'art, c'est quelque chose d'unique, c'est quelque chose qui peut être aussi éphémère. Donc, par rapport à votre question, c'est un de nos projets que nous avons et évidemment, on reviendra aussi vers vous. Waouh, bien, c'est parfait, je vous remercie et je suis ravi de pouvoir continuer à construire avec vous. Merci beaucoup, Franck, pour votre question et à très bientôt dans le Sud. À très bientôt. Une autre question peut-être sur les réseaux sociaux de la part d'Hamza. Une question pour John de la part de monsieur Pascal Rodin. Il dit, existe-t-il un contrat d'exposition pour la mise en place, la durée, l'assurance et les ventes éventuelles? Alors, aujourd'hui, on n'a pas voulu mettre le doigt dans cet engrenage contractuel parce qu'on a déjà beaucoup de choses à faire dans le cadre de la plateforme, dans le suivi donc, de chaque artiste et de chaque accueillant. Tout ce qui est négociation entre les accueillants et les artistes, par notre biais, on ne rentre pas dans, aujourd'hui, hein, peut-être plus tard, mais aujourd'hui, on ne rentre pas dans les discussions et on ne rentre pas dans les accords. Certainement, dans une prochaine étape, et je l'ai dit tout à l'heure, on va peut-être mettre en avant un assureur ou des assureurs, un transporteur ou des transporteurs, mais on ne va pas rentrer dans cet engrenage parce que c'est quelque chose qui est complexe et certainement qu'il va falloir qu'on s'étoffe dans certains services parce que, comme l'a dit tout à l'heure Vanessa, dès que quelqu'un s'inscrit, on le suit. On suit, est-ce que tout se passe bien, mais jusqu'aux événements. Ça veut dire que déjà, sans être organisateur d'événements inscrit sur WeLocArt, on va regarder si cet événement s'est bien passé entre l'artiste et l'accueillant. Donc déjà, ça fait beaucoup de choses à faire, mais certainement, dans un avenir, on mettra en avant peut-être des services contractuels. Merci, John, pour ta réponse. Une autre question, Hamza? C'est bon, on a répondu à toutes les questions. Non, on a répondu à toutes les questions. Donc, en tout cas, n'hésitez pas, même si vous avez des questions par la suite, si vous n'avez pas pu nous regarder en direct, nous serons toujours là pour y répondre parce que vous avez pu découvrir aujourd'hui que WeLocArt, c'est une plateforme, mais c'est aussi une équipe derrière puisqu'il n'y a qu'une partie des collaborateurs qui sont présents aujourd'hui sur ce plateau. Mais il y a bien évidemment d'autres personnes qui travaillent pour WeLocArt, notamment dès que vous êtes rappelé, quand vous vous inscrivez, voilà, je salue tous nos collègues qui travaillent avec nous, Émilie, Julie et tous les autres. Voilà, donc je vous remercie chaleureusement de nous avoir regardés. Je remercie encore une fois Adrien Majeranowski du Negresco pour son témoignage et je remercie encore une fois Web Radio Edition qui nous a permis de réaliser ce premier webinar. On se retrouve le mois prochain pour un prochain webinar. On a déjà de très belles idées de thématiques, on nous a déjà proposé plusieurs. N'hésitez pas aussi vous à en soumettre sur les réseaux, de nous donner des idées de thématiques. On aura vraiment plaisir à refaire des webinars tous les mois afin de pouvoir communiquer avec vous, afin de pouvoir échanger et pouvoir répondre à vos questions. À très bientôt et merci beaucoup. Merci Valentin. Merci Valentin. En attendant notre futur webinar le mois prochain avec une nouvelle thématique, vous pouvez retrouver notre émission en replay sur YouTube.